Quelles sont les émotions que tu connais ? La joie, la tristesse, la peur, le dégoût, le chagrin, la sérénité, l'amour. Quelle est ton émotion préférée ? La sérénité. Ça veut dire quoi être serein ? C'est-à-dire être tranquille, t'es pas embêté. Quelle est ta préférée ? La joie, parce que je suis tout le temps joyeuse. Tu ressens quelle émotion au moment où je te parle ? Bah, je suis un peu joyeuse, mais en même temps, j'ai un peu peur. C'est que j'ai jamais été interviewée quand j'étais petite. Donc c'est une émotion quand même. Oui. Quelle a été ta plus grande joie ? Quand ma marraine m'a demandé que je sois sa demoiselle d'honneur. J'ai eu des larmes de joie. Quelle a été ta plus grande joie ? Quand j'ai eu une plante carnivore. Comment tu l'as exprimée cette joie ? Avec un géant sourire et des bisous. Ma plus grande joie, c'est quand il y a mon petit frère qui est né. J'ai senti de la joie, quand même un peu de tristesse. Pourquoi ? Parce que du coup, là, j'en ai deux. J'aime pas avoir trop de frères non plus. Ta plus grosse colère, tu peux me la raconter ? Bah, c'est quand mes petites sœurs, en fait, elles font une bêtise et puis après, elles m'accusent alors que moi, j'ai rien fait. Et puis ça, je suis en colère quand elles me disent ça. Et puis après, c'est moi qui me fais punir. Moi, après, je me laisse emporter, je sais pas trop. Ah, des fois, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions ? Bah oui, des fois, on peut être en colère après nos petites sœurs quand on est, quand on s'est levé du pied gauche. Il y en a, s'ils sont en colère, ils vont crier. Il y en a d'autres, s'ils sont en colère, ils vont moins crier, mais ils vont laisser les ressentiments à l'intérieur. Est-ce que tu parviens tout le temps à maîtriser tes émotions ? Non, pas tout à fait. Est-ce que tu essayes des fois ? J'essaye, oui, mais par contre, la colère, ça sort. Ah, et à quelle occasion ça sort, la colère ? Des fois, quand mon frère, on se parle mal. Moi, je réagis en colère parce que il me dit des choses méchamment, il m'insulte. J'ai trop de me défendre, quoi. Mais comment tu l'exprimes, cette colère ? Des fois, je lui donne des coups de pied, des coups de poing. Ah oui. Mais ça te rend heureuse de le dire ? Ah oui, ça me rend. Quand je suis en colère, je vais dans ma chambre, je me mets dans le petit coin derrière mon lit. Mais t'es comment quand tu es en colère ? Montre-moi un petit peu. Ah oui, d'accord. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, je comprends. Ta sœur la peur ? Un petit peu. Un petit peu, pas trop finalement, ça marche pas ? Non. Raconte-moi ta plus grosse colère. C'est quand mon frère il me saoule. Je lui mets des claques. Oh. Quand il me saoule. Et tes parents, ils le savent ? Non. Ah si, ils vont le savoir là maintenant. Que je suis pas là, non. Non, mais là, c'est filmé. Oui. Est-ce que ça t'arrive de pleurer ? Oui. À quelle occasion ? Enfin, qu'est-ce qui te rend triste ? Quand je vois plus ma mamie, quand elle me manque. Même les garçons, ils ont le droit de pleurer ? Oui, il n'y a pas que les filles, hein. Les garçons aussi. Est-ce que c'est honteux de pleurer ? Un peu. Parce que il peut y avoir toutes les personnes qui peuvent nous regarder pleurer. C'est la honte de pleurer ? Non. On peut le dire ça aux copains qu'on a pleuré ? Oui. Ou pleurer devant les copains, c'est pas grave ? Non. Pourquoi ? Parce que on se vide un peu. C'est bien aussi de pleurer parce que comme ça au moins on lâche toute la pression et puis après on réagit normalement. Est-ce que les enfants ont plus ou moins d'émotions que les adultes ? Les enfants ont plus d'émotions parce que des fois, ils pleurent et les adultes, ils ont appris à se contrôler pour pas se chamailler, pour pas pleurer tout le temps. Les adultes, on va dire que ça pleure moins et qu'ils ont moins de joie que nous. Quand on demande est-ce que c'est joli, ils disent oui, c'est beau, mais quand même, c'est pas une joie pour moi, ça. Ils expriment pas assez leurs émotions ? Oui.